Né en 1947 à Gosbeïda, après des études primaires à Gosbeïda, secondaires à Abéché et N'Djamena, il obtient le baccalauréat série C et intègre l'école normale supérieure de Sar. Enseignant de formation, il fut intronisé roi du Darsila en 1987 après la mort de son père. Il régna de 1987 à 2007. Il était détrôné suite aux événements tumultueux qui ont secoué le Darsila. D'une sagesse et d'une modestie exceptionnelle, l'homme a toujours fait de l'unité des fils du Darsila la cohabitation pacifique ou le renforcement du tissu social ses grandes priorités. Il était réhabilité en 2015 et Sa Majesté Seyyid Ibrahim Mustafa poursuivit son noble combat pour la grandeur du sultanat. En août 2020, il était nommé conseiller au Haut Conseil des collectivités autonomes des chefferies traditionnelles. Il perd ce 4 juillet 2021 en Égypte son combat contre la maladie, mais ses enseignements sur le dialogue, le pardon, l'amour, la paix et le vivre ensemble serviront à jamais le Sila, ce Tchad en miniature qu'il affectionnait. Sa Majesté Seyyid Ibrahim Mustafa laisse derrière lui 2 femmes et 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles.